Olapalais.com. Stanley, comment vous aimez mon forme? Bon, nous, on a boulé et un peu de travail, comme d'habitude, depuis bon ici, à, contrairement à Cotoyea, un peu de Freddy. Ah oui, Freddy a dit. Mais, ouais, pendant la période de Freddy, on hein? A bien dit tête, mais mon cher, rentrer vers un bon petit soleil. Malheureusement, Stanley, pas. Stanley, expliquez pour le pays, à la cap côté là. Qui a expliqué, qui a passé effectivement qui fait que ou pas rentrer dans le pays là? Le problème, c'est quoi? Je ne dis pas rentrer, non, c'est bon qui dit pas rentrer. Non, mais sous rentrer, ou ap dit nous rentrer, et pour ap ban nous, dès qui période qu'on rentre, par exemple? Depuis qui l'heure, qui dernière fois? Donc, pour nous faire historique, le bail là, nous sommes nés en Haïti depuis 2007 jusqu'en 98-99. Bâti en 98-99, c'est parce que nous avons un programme de formation politique que nous avons fait pour à peu près 63 partis politiques dans le pays d'Haïti, côté leader parti, cadre d'intérimaire, avec Basio qui a participé. À l'époque, Aristide personnellement, et formation ça a été une là qu'on ombrage à pouvoir là. Alors forme de formation que nous débarrions, tu chita soit à peu près 23 modules de formation. C'est nous-mêmes qui introduit en Haïti le principe de débat présidentiel là. C'est nous-mêmes qui introduit sondage dans la vie politique. Et focus group dans la vie politique. 23 modules de formation étaient des bagages en cours, mais ils sont reconnus pour servir avec technologie de l'information en tant que parti politique et leader politique pour promouvoir partout. Mais ils sont reconnus de A à Z pour bien gérer une campagne électorale. Mais ils sont reconnus pour développer une plateforme politique. Mais ils sont reconnus pour développer une stratégie de communication politique interne pour un parti politique et une stratégie de communication politique externe. Mais qui sont de combien pour faire un budget pour un parti politique, budget minimum, budget maximum, budget moyen. Mais qui sont de combien pour ramasser et collecter l'argent en dans un parti politique. Ça veut dire que c'est ensemble de formations ça qu'on a fait et que Aristide pense qu'on a fait l'autre bagarre ou même. Non, monsieur, dans la tête, lui, je vais expliquer au problème Aristide Bouguin. Monsieur était membre de la famille Laval sur l'ordre pour ne pas participer dans ce séminaire. Malgré tout, il y a un paquet de jeunes, famille Lavalas, dans Tigouave, dans Léogane, dans Plateau Central, dans le département de la Tibonite, dans le département Sud, tout côté de l'Ontario, jeunes famille Lavalas, malgré tout, c'était par l'autre, pour ne pas participer ou ne pas participer. Côté nous, il y a un problème, et il y a un problème avec nous, c'est l'heure où ils font une réunion, famille Lavalas, une réunion interne, et puis, Aïssine dit qu'on s'accueille, mais qui m'ont pas mettre comme coordonnateur dans un petit Tigouave. Tout jeune qui était participé dans ce séminaire que nous avons là, je dis, monsieur, le président, il va comme ça, ça fait. L'on parti politique a mettre un coordonnateur municipal, départemental ou national, c'est toute petite famille, si c'est une commune, par exemple, Tigouave vient d'une commune, c'est toute petite famille qui sont dans la section communale et qui sont dans Tigouave qui doit aller voter pour mettre coordonnateur pas qu'à faire au niveau central. Et je vais expliquer, monsieur, tout au niveau départemental. Par exemple, si on a fait une élection pour famille Lavalas dans le département nord-ouest, ces représentants qui sont en train de 4 sections communales avec 10 communes pour voter. Monsieur m'a dit, monsieur, côté nous, on va ça. Il dit, dans le séminaire, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, il y a un problème. Donc, le problème, il vient commencer, mais il fait son période d'un an et demi, deux ans, 7 tentatives d'assassinat contre moi-même. Donc moi-même, mon famille là, quand même, j'ai fait dernière tentative d'assassinat. Il y a une tentative d'assassinat qui était même sortie dans le journal aux États-Unis, que j'ai parlé de ça. Donc, moi-même, sous 7e assassinat, mon là, quand même, mon d'apprêté, mon là, quand même, conseillé que qui était quitter le pays, et c'est comme ça qu'il taille. Donc, depuis là, ça, moi-même, ma travail dans le développement politique au niveau mondial, il fait l'Amérique latine, la Caraïbe,
nous fait l'Afrique, nous fait l'Afghanistan. Attendez. Où quitter Haïti dans 1991, c'est ça? 98. OK. L'arrivée aux États-Unis, quitter première activité qu'on entreprend l'arrivée aux États-Unis. Non, automatiquement, moi, j'ai en anglais, senior program officer, c'est un développement politique de travail. Donc, moi, j'ai C'est ça. Donc, moi, j'ai responsable adjoint pour l'Amérique latine, ça veut dire que des responsables Venezuela, des responsables de l'Équateur, des responsables de Guatemala, et des responsables ont bailler en anglais stratégie planning. Ouais. Donc et c'est ça me fait avec ça le moi fin fait Amérique latine la Caraïbe mal aidé dans l'élection au Mexique nous aidé non pas quelques autres pays même si nous étions responsables des pays spécifiques avec ça me traverser en Afrique et dans l'Union africaine là. Et donc nous fait plusieurs pays en Afrique après ça comme moi c'était number one en matière de monde qui compte pour programme élection et programme sur les partis politiques, le dossier Afghanistan vient paraître. Donc, nous avons numéro deux divisions pour Moyen-Orient et l'Afghanistan. OK, ça veut dire que c'est quand même. Et est-ce que l'arrivée aux États-Unis, ou obligé de quitter le pays en 1998, est-ce que vous naturalisez comme Américain, sur les citoyennetés américaines? Absolument non. Et moi, je suis un résident aux États-Unis, je suis un citoyen américain, on va me les douler. Donc, je n'ai jamais où été. Où fait résidence l'arrivée en 1998 ou bien où t'es une résidence avant? Non, j'ai une résidence depuis longtemps avant même que je m'entre aux États-Unis, je n'ai pas une résidence. Ok. Par exemple, persécution ou obligé de quitter le pays en 1998, est-ce que vous voyagez à toute famille? Ou bien c'est l'arrivée aux États-Unis en 98 ou Mario ou petite. Comment ça y est, vie familiale? Non, je suis marié. Donc, c'est ça qui fait que déplacement est soulevé au niveau opérationnel, au nom des deux, n'est pas compliqué. Donc, le niveau aux États-Unis, automatiquement, on travaille dans le développement politique. Alors, pour jeunes d'accouter là, alors, nous sommes haïtiens. Oui, pas de problème. Mais qui est pour vous le marier ou vous commencer à gagner des gens? Paul va parler point com. Allô, Stanley? Lila, Stanley, Lucas? Nous perdons Stanley? Stanley, Lucas? Nous perdons. Vous faites contact avec encore Stanley. Vous faites contact avec Stanley, vous perdons Stanley. Et Naptani. Et. Fon belle interview à Stanley Lika là. M'a tout con Stanley net. Ok, m'a tout con qui moun ki Stanley Lika. C'est Stanley. An ali. Oui, Stanley Lika. Allô? Oui. Qui est pour ou bral marié, geti moun, etc. Non, mais. M'a dit marié avant et puis m'a dit divorcé. Donc. Ou marié ou divorcé? Est-ce que vous marié? Non, m'a pas marié. Donc. Stanley Lika, tu es moun? Bon, et 4 timons. Ok. Sûr. Ok. Bon. Et, mais avec, bon. Avec Madame Maria, bien sûr. Bien sûr. Ok. Donc, Sonny, parle trop vite. Non, ma boy, c'est pas sûr. N'a pas vu ce sujet. Bien. Ou parle en pile la radio, donc, mais grand pile monde qui parle constant. Ok. Ok. Kounia. L'arrivée. Alors, comme il dit, il y a un haïtien, le capitaine de là, pas gagné dans la vie qui t'a bloqué, qui t'a bloqué vers vous, sauf connaissance qu'on gagne. Ça veut dire qu'avec connaissance et capacité, et que nous venons développer dans le programme sur les élections et dans le programme sur les partis politiques, il était considéré dans l'organisation comme, si vous voulez, qu'on peut dire le meilleur programme officiel. Implémenter programme. Pas mon programme qui implémenté qui t'a marché bien. Voilà. Mm-hmm. Très bien, très important. Kounia, 1998, ou toujours impliqué dans la question et Haïti. Bon, Jean-Bertrand Aristide, ou parler de 1998, Jean-Bertrand Aristide, bral gagné pour que li tombe. Jean-Bertrand Aristide, bral pour couper. Alors, forme de trop que m'entrer en 2004 en Haïti.
Nous avons entré en 2004 pour peut-être une semaine. Après départ, je mettais Aristide. Et nous avons changé après ou avant départ, mais nous avons entré pour nous intéresser papa nous dénouer. Parce que une bagage de papa nous désolé, parce que monsieur nous en Floride, une bagage que monsieur demande, mais je devais vous l'intérêt en Haïti. Très bien. Donc, nous avons entré et nous faisons ça à quelqu'un, par personne à l'intérieur, monsieur. Ok. Qui ou toujours intéressé avec pays, ou toujours intéressé avec Haïti. D'ailleurs, ou d'où gen plusieurs monde qui travaillent souterrain pour vous. Qui mécanisme, qui méthodologie ou utilisez pour que, premièrement, ou arrivez comme si vous écoutez jeune Sayo? Est-ce que ou bon bureau même côté que jeune Sayo gen des salaires? Est-ce que vous inscrit dans le cadre formel? Comment ça y est? Bon, tout jeune qui intéressé dans la politique et moi-même fait ça aller. Pour des jeunes, des formations gratuites à distance. Ça veut dire. Ça veut dire que dans à peu près 7 départements dans le pays, les jeunes ont accès à Internet, ils ont un laptop qui gagne une caméra sous lui. Ils ont recruté à peu près 20-25 jeunes, ils font formation sur leadership pour eux, ils font formation sur élection, et ils font formation si un jeune veut entrer dans un parti politique. Mais 23 modules qu'on doit maîtriser pour entrer dans un parti politique pour faire fonctionner bien. Son parti politique n'a pas qu'à faire sondage, il n'a pas parti politique tout le monde. Son parti politique n'a pas qu'à faire focus group, il n'a pas qu'à comprendre qui s'acte dans le peuple là. S'il n'a pas qu'à comprendre qui s'acte dans le peuple là, il n'a pas qu'à gagner l'élection dans le pays parce que la stratégie de communication n'a pas qu'à avoir un message qui résonne dans le peuple là. Et c'est pour ça que le parti politique le dit qu'il a perdu l'élection, parce qu'il n'a pas l'incapacité ça, il n'a pas voulu chita pour faire les ABC. Même bon, ils ont concret pour qu'il comprenne. Il y a des bagages qui étaient faits naturels dans le passé, mais je dis qu'il n'a pas qu'à faire naturellement. Même bon, ils ont concret pour qu'il comprenne ça. En 1990, naturellement, il y a une coalition politique qui montait. Une coalition politique, ça, il y a une FNCD, il y a une CONACOM, il y a une KIM. Il y a un groupe 57, il y a un père de la théologie de la libération, il y a un groupe de Basio. Coalition, ça a été bon message. Justice, transparence, participation. Il y a un leader qui a un certain charisme. À cause de coalition que le monté a, et message que le monté a, et leader qui a un charisme, il y a des gens qui ont l'argent, comme Madame Lotier, etc., qui ont porté contribution. Et malgré que devant FNCD et bien ANDP, l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, il y a plus que l'argent. Parce que FNCD, coalition FNCD a gagné quand même. En 2017, qui sont regardés, coalition, trois partis n'ont pas monté coalition. Parce que lors d'une coalition, sont des leaders qui gagnent, tout le monde campé des leaders. Tout le groupe a campé des leaders. Nous avons un don regroupement. Nous avons un bon pour être le chef de la coalition. Si nous avons un message, nous avons une stratégie de communication politique, nous avons un leader faible, nous avons une élection. Donc, pour moi-même, jeune Sahel qui m'a formé dans la province, pour former, c'est une fois par semaine, c'est deux fois par semaine, côté, ils font module, par exemple, nous allons faire module stratégie de communication politique. Alors, je dis que montrer jeune comment un bon parti politique pour une stratégie de communication politique interne. Avec du leadership national parti, comment vous communiquer avec le leadership départemental. Ok, bon, je pose une question ça, Lakounia. Quand vous jouez un moyen pour capable de faire ensemble activité ça, est-ce que dans la période, en fait, beaucoup même arrivé dans la période de 2010, tout pendant l'activité ça, fait, est-ce que c'est un organisme qui finance ou bien ou gagnons institution à travailler là-dedans, ou gagnons salaire X qui permet que ou atterrir ensemble de projets d'activité ça. Est-ce qu'on va parler de Kouvia ou bien de longtemps? Non, moi, dans la période de 2004 jusqu'à 2010. Bon, 2004-2010, bah, en Haïti. Non, mais formation ça, c'est à distance ou fait. Non, en 2004 et 2010, je travaille sur Haïti, je travaille sur Afghanistan. Ah, ok, ça veut dire que ou pas travaille sur Haïti. Kounia, on a une période qui est extrêmement sensible.
En 2000, moi songe, moi fait plusieurs entrevues avec vous dans l'année 2008-2009, le ça, vous êtes très acide avec ça les groupes de Boudon. Moi songe Jean, Jean ou t'es critiqué mon en pile. Kounya, dans l'année 2010, avec l'arrivée de Michel Martelly, nous jouons nous comme on proche de Michel Martelly. Premier contact avec Michel Martelly, c'était qui l'un dans quelles circonstances? J'ai probablement 8 ans. Et j'aime comme Michel Martelly, 8-9 ans. Et bon, nous sommes bien pile. Et madame Michel, moi, j'ai connu via papa, parce que madame Michel, qui travaille avec papa, dans l'USAID pendant longtemps. Et le Michel décide que lui, dans l'élection, lui demande de est-ce que nous avons un jeu de campagne en pays. Pour activité de business que nous n'avons pas capable, mais m'a fait plein de campagne pour lui et m'a mal qui pourrait diriger le campagne là, ce que j'ai accepté. Très bien, nous allons arrêter. Mais vous parlez de activité de business, PIA, c'est un délicat très médiatisé. Ou dit activité business ou pas te permettre d'entrer. C'est un délicat qui ça comme business, comme activité dans les États-Unis. Il y a des aux États-Unis, mais des business pas aux États-Unis. Ça veut dire que bon, c'est d'activité, c'est non, c'est le pays en Asie comme ça. C'est t'as qui ça, Stanley? T'as qui ça? Bon, ça veut dire que sous son business, les États-Unis, bon, c'est de côté de gens rentrer dans les marchés de l'Asie. Marie-Louis, pas de tout. Ok, ok. Bon. Parce que, bon, m'explique un bagage, peut-être que tu comprends. Et il fait à peu près 20 ans dans le développement politique. On a mis un développement politique là, dans tout pays côté Mali, pour mal travail, à qui nous rencontrons? Nous rencontrons le président pays Sahel, nous rencontrons le premier ministre, gouverneur, ministre, secteur privé, parlementaire, même société civile. Alors, dit que dans tout pays côté nous passé, non seulement nous comptons basio, mais nous comptons la crème de la crème dans tout pays Sahel. Alors, dit que nous sommes des globes en rouleau d'exmin, Canada d'exmin, son bail qui vaut cher. Ok, des bagages qui quand même te cassent via PIA, mais bon, par contre, on est retombé au courant, oui, mais nous ne pouvons pas voir jusqu'à présent. Non, mais pour bon bagage, ma bon exemple. Et dans le pays d'Haïti, comment dire? Ma bon exemple. Et ça a été une femme d'Ali samedi là. Mon petit blanc qui était assistant de 3e ou de 4e niveau. Bon, mon petit blanc ça a l'aider. Mais qui n'a pas d'expérience et capacité. Puis il y a des petits blancs, tout c'est pour ça que moi-même, qui connaît ma série. Et ça, c'est énorme. Donc, et puis il y a un autre problème encore. Vous avez des réformes pour faire dans le pays. Il y a souvent un courage, il n'y a pas qu'à faire. Et comme vous avez parlé de bout de bout dans l'air, bon exemple. Si vous déficit budgétaire que l'État fait chaque année, c'est dans deux domaines que le premier domaine, c'est l'électricité. Deuxième domaine, dans le produit pétrolier. Dans l'électricité, ça ne va pas émerger personne à soi, ma vie, j'en sois. Mais même tout le monde qui a des radios, nous payons l'État taxe. L'État construit deux centrales thermiques. VAO 1 qui vient 24 MW, VAO 2 qui vient 26 MW. Les deux bossent 50 MW. Bonjour matin, sans l'État pas vendre, VAO 1 à VAO 2 pour nos compagnies privées. Non seulement tout mon compagnie privée, lui fait contrat pour 557 millions de dollars américains avec l'État, tout le bail peuple à l'électricité, tout le bail peuple à l'électricité, c'est blackout que le bail. L'État décide de mettre le compteur pour garder combien l'électricité n'est que le bail peuple, il crase le compteur. Moi-même, type de bagage, moi-même, toujours dit ça dans l'émission, ils sont capitalistes, ça veut dire qu'ils croient dans la société, il faut malheureux à faire comme, il faut classe moyenne à faire comme. Faut bourgeois faire comme. Avec dit que pour l'émission, ou bien là, pour j'en m'en coûte l'émission, ça, ou son aide au minimum, faut faire 600 000 dollars américains là, au minimum, on dit. Il suspecte ou pas faire un dixième de ça. Bon, comme on sonne qui dans le business, c'est au grand pile contact. Bon, n'a pas nous pour décoller dans ça. Kounia, on a regardé nous en 2010. Ou fait plusieurs interventions, bon, plusieurs médias, même monde qui te considère comme on est capable de lobby pour être calé. Quelle a été votre mission? Est-ce que tu as un job spécifique, un travail spécifique que tu as fait pour pouvoir être calé pour régime ça? Bon,
Absolument. Et moi-même, avec le président Martelly, nous avons deux très bons rapports. Et moi, j'ai décidé que, en fonction de l'idée politique, moi, et c'est des idées politiques que moi partagé avec monsieur, même son aide de centre droit que vous avez, depuis que je dis la radio. Donc, bon, c'est de côté, nous avons très utile sur la PIA. Bon, bien entendu, rapport avec un président, c'est la bagage à discuter dans la radio. Et c'est sûr que nous avons des relations assez closes. Bon, au moment même, en 2013, et le président a demandé à ce que je vienne de la commune de l'intérieur. Nous avons accepté le principe-là. Nous avons averti 3 mois à l'avance. Et puis, bon, bah, il a vu gâter la veille nomination. Et le monsieur Bout de Boudon, il a interféré dans le barrage. Il y a un jeune Bout de Boudon qui m'a dit parler. Je lui ai dit, bon, si c'est un jeune qui a venu, il n'a pas quitté le pays. Donc, c'est pour ça que le va marcher. Et moi-même, c'est un problème personnel, mais il y a un bout de boudoir. Ou pas qu'à nos sociétés, ou à faire des millions chaque mois, taxes pour payer l'État, ou pas payer, parce qu'on ne paye pas l'État, taxes qu'on doit payer, l'État pas qu'à payer professeur, pas qu'à payer policier, pas qu'à construire l'hôpital, il pas qu'à faire route. Et c'est pour ça que moi-même, pas l'envie d'un exemple, on est connaît que, pas qu'à faire abuse, mais sans doué l'État, ou pas qu'à dire que, ou importer plus de 2 milliards de la République dominicaine. Lorsqu'il vend 2 milliards par année que nous avons importé de la République dominicaine, lorsqu'il vend sous marché haïtien, on fait 700 millions de dollars américains de bénéfices, que 32 nègres séparés, et depuis 700 millions de dollars, au moins l'État paye 300 millions de taxes. Mais il y a 10 millions, il n'y a pas de taxes dans la contribution. Mais il connaît que si moi j'ai mon pouvoir dans le pays d'Haïti, je ne peux pas appeler le bail. Parce que je regarde des malheurs qui n'ont pas là, que l'État doit faire un bagage. Ou bien l'État va gagner comme dans qu'est-ce que l'État. Et c'est tout ça, moi-même, ça n'est pas pratiqué dans le pays d'Haïti. Il y aurait ça le néo-féodalisme, et pas le capitalisme. Ah oui, oui, oui. Au bagage, mon petit machin, moi-même, mon grand caille dans Washington. Aux États-Unis, pas aucun Américain qui a acheté ta cash. Ça veut dire que, qu'au malheureux, qu'au bourgeois, qu'aux classes moyennes, sont jumbo loan, qu'on prête, qu'on prend la banque à 3% sur une période de 30 ans ou en Mousseka. Comment on voulait qu'on malheureux, c'est qu'on vient dans le pays d'Haïti? L'inégio, c'est qu'on y a qu'il y a malheureux à 29%. Et Stanley, un salaire de 5 000 $, c'était pour qui travaille? Ok, bon, on m'explique ça. Et même débat là avec l'autorité qui n'a pouvoir, mais Dieu n'a pas de moyens pour payer. Par exemple, le président d'Afghanistan m'a demandé pour me donner un conseil, minimum pour payer, c'est entre 50 et 80 000 Sous qui base le président d'Afghanistan m'a demandé pour vous donner un conseil? Parce que nous sommes spécialistes en question afghane, bon paquet de pays, nous sommes spécialistes dans le bagaille, nous sommes en valeur, c'est notre pays seulement. Non, t'as. Sous qui base le président Relo et Bildou, mon cher, vient bon mon coup, mais en fonction de qui ça? Parce que nous sommes spécialistes en développement politique qui travaille en Afghanistan. Et système politique qui vient en Afghanistan, c'est moi-même à un paquet de monde qui construit. Les migrants en Afghanistan, mais il n'y a pas de jambes de constitution. Dans quelle période vous travaillez en Afghanistan? En 2004, et comme 2004. Après, c'est juste après l'opération militaire fin faite, après 11 septembre 2001, et puis le SAAM, c'est l'initiation de la démocratie en Afghanistan qui commençait, et le SAAM allait, parce que. Et taliban, tout le monde taliban, tout le monde qui est en base dans la province, et parce qu'on a rien de la démocratie. Donc, soit aller de province en province pour chita, bretter avec nous, pour expliquer qui sa démocratie a eu. Parce que c'est des gens qui font des décennies, c'est dames seulement. Mais travail ça pour t'al faire, pour te faire premier travail ça en Afghanistan, c'était toujours avec Iri, c'est ça? Absolument. Absolument. Vous faites presque 17 ans d'expérience avec eux. Avec donc, Iri. Mm-hmm. Iri, c'est quand même une institution et purement américaine. C'est la politique américaine qui prime, c'est ça? Non, c'est pas ça. Il y a 3 institutions aux États-Unis qui nous débattent ça, les sociétés civiles là, carrément, qui sont la société civile américaine là, qui fait promotion de la démocratie à travers le monde. L'une, c'est l'Institut République International,
l'autre là c'est National Democratic Institute et bon l'autre qui est le IFES qui occupe à faire élection. Mais deux l'autre qui travaillent, une travaille avec secteur privé, une travaille avec société civile, mais pas vraiment une bonne. Ouais. Donc, spécialité IEA, il travaille sur question d'élection, il travaille sur question de gouvernance, il travaille sur question de construction des partis. Même il travaille avec de 6000 partis politiques à travers le monde. Ouais, c'est l'expérience que nous avons. Donc, moi-même, en fonction de l'expérience, ça, nous développons des pays d'Haïti. Et pendant le gouvernement Matéli, il y a bondé les deux, trois ministres pour nous aider, pour nous aider la démocratie à avancer. Mon problème de compétences au niveau du leadership politique, nous avons proposé en effet de créer pendant l'INADI l'Institut de formation des cadres des partis politiques et de la sécurité nationale. C'est un bon institut qui a bien deux formations. Première formation, son formation de 2 ans, qui vient à peu près 23 modules, mais tout ça doit qu'on ait pour gérer un parti politique bien. Le conseil d'administration institué a formé avec les leaders des partis politiques de tous les partis. Et puis, il y a des techniciens en Haïti qui tapent sur à l'étranger au Canada, aux États-Unis, pour une bonne formation, mais qui savent qu'il y a des connaissances, mais qui sont en train de constituer le sondage. Avec des tendances de l'État à faire le sondage par là, il faut qu'il y ait un sondage par là. Ouais, mais il n'y a pas de structure, ça, aujourd'hui. Ouais. Donc, deuxième formation, c'est qui sont les connaissances en tant que membre parti pour aller diriger dans l'État. Avec des coûts, avec les 35 modules de formation, mais qui sont les pour chef de cabinet. Mais travail ça, est-ce que tu as fait avec le président Martelly directement ou bien tu as gagné des conseillers? Parce que là, on a qui question et on parle toujours de question salaire, $5,000, $5,000 le mois. Et mais justement, $5,000, c'est pour qui ça? Pour qui ça, comme ça, tu es venu dans mon chaque mois, qui sont tes produits, qui sont tes faits pour lui? Ok. On a ça directement. Étant donné que le niveau que nous avons, l'État ici, on va payer. Moi-même, si pour faire un contrat avec moi, par exemple, indiquer pour ces présidents les guerriers, ou par un instant de l'État qui travaille pour vous, c'est entre 50 et 80 000 dollars américains pour payer par mois. Un guerrier a les moyens pour prêter, pour payer l'argent ça. Moi-même, ça, si c'est notre pays, notre bordel, ma baille. Mais comme c'est pays d'Haïti, et 5 000 dollars pour parler de là, de donner des salaires, c'est une sorte de frais que lié pour que quelque soit ça m'a réglé, ça veut dire que si le président a besoin de ceci, si le président a besoin de cela, si le ministre a besoin de bagaille, et bon, ensemble de nous, une autorité de l'État qui a besoin de bagaille, c'est une sorte de service civique que nous avons bail dans ce sens-là. Non, t'as compris ça. Non, ou beaucoup de gens me disent non, 5 000 dollars pour qui travaille. Bon exemple. Et on dit qu'on a besoin de telle compagnie dans le pays d'Haïti pour venir faire un investissement, par exemple. Par exemple, sur Matéli, il y a à peu près 697 millions de dollars américains d'investissement direct. C'est pas parmi les qui est rentré. Ok, si t'es deux ou bien trois compagnies, que ou même ou t'es une Volvo qui t'es rentré. Ouais, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça. Non, attendez. Ou dis 5 000 dollars, mais pour qui ça? Permettez-moi. Mais ok, mais tout dit ça. Ben nous deux ou bien trois compagnies ou t'es une Volvo ou t'es au travail pour eux et puis qui rentre. Non, n'a pas tout. Bon, ma boy. Vous êtes boy? Ben nous deux ou trois. Ma boy. JetBlue, par exemple. Nous commençons à travailler. Non, JetBlue, c'est Kinkino. Eh bien, vraiment, c'est pas on parle, pas on va connaître. JetBlue, c'est Kinkino. C'est absolument faux. Même bonne histoire. Je suis avec, nous faisons réunion avec 5 vice-présidents de JetBlue. Nous faisons une réunion. Et puis, mon gars fait suivi le dossier, c'est le consul général d'Haïti à New York, et puis, il a délivré. Ça veut dire, c'est où que fait JetBlue? Ouais, les deux pas de monsieur Fonmandé. Ça veut dire, c'est où que fait JetBlue? Je me dis, c'est moi, non, nous allons faire réunion avec 5 vice-présidents de JetBlue. Je me suis dit avec eux, je dis, consacré, je ne veux pas venir en Haïti. Je dis, pour qui ça? Je dis, État aéroport et avion, le avion, il ne pas respecter les normes internationales. Je dis, ok, en fonction de l'évaluation que nous faisons, il y a 5 bagages que nous avons besoin pour que JetBlue vienne en Haïti. Mais il y a 5 bagages. Je dis, si nous faisons réunion, je dis, est-ce que si 5 bagages, ça va vous faire battre? Avec la consul général New York, là, et qui mène un peu de business en Haïti, et M. Forbin, M. prend le dossier en main, et M. finalise le dossier.
par exemple, même bon l'autre compagnie, par exemple, mon compagnon, nègre, ce sont nègre qui gagnent 2 milliards d'investissements à travers le monde dans le domaine du tourisme. Ou Chitambala, monsieur. Monsieur, c'est un pays qui gagne 1437 km de plage. Est-ce qu'on a vu dans le pays d'Haïti? Je peux dire, ah, mon frère, ma boue, franchement, un pays là intéressé, un problème qui gagne, un petit crack qui a brûlé, qui a crasé, qui a brisé. Les matières sont une nouvelle à travers le monde. Nous ne sommes pas profitables. Si des moyens créer des conditions pour qu'il y ait une stabilité politique, pour ne pas bien bouler, craser, miser, monsieur de l'État vient de mettre 200 millions dans le pays. Quand il y a commencé à discuter à monsieur, les nègres pour d'avoir la sur comment c'est craser, briser, monsieur, allons battre la République, la longue pays. Et c'est ça, on sait des nègres pas comprendre. Chaque fois qu'on crase, brise, il paraît sur la télévision, l'autre bord de l'eau. Ok, bon, bah, qui nous a, et bon, c'est des libéraux, n'a pas de pas comprendre. Chinois, 500 millions de monde ont été dans la misère avec l'investissement direct. 500 millions de monde ont été dans la misère en 20 ans. Mais Chinois ont une stabilité politique quelqu'un d'autre qui permet qu'il y ait investissement direct. Non. Ça veut dire que chaque fois qu'on se prend la ria, ou à l'écrasion vite machine, si on fait manifestation pacifique, pas un problème, non. Mais l'écraser vite, non. Et puis, vous voulez assortir dans le journal, vous sortir dans la télévision. Pour lui, c'est bien investisseur qui a vu débarquer, pour venir investir, créer du travail pour nous dans la société. Il va mettre l'Allemagne là, oui. Il n'y a pas de côté, il va aller du côté potentiel. Merci un peu pour un peu de précision, mon voyez bien moi là. Et Kinkino, c'est Delta. C'est Delta. Kinkino, c'est Delta. Après Delta, moi j'ai commencé, mais moi j'ai commencé là avec l'IA, qui c'est senior vice president for government relations, nous étions venus prendre les traitements, donc son dossier n'est pas suivi. Stanley Gale fait un pile bail pour nous là, pour 5000 dollars là. Non, monsieur, bon moment, je vais répéter le point. Oui, on l'état, bon moment. 5000 dollars en pile pour nous ici, comme ça? Non, bon Dieu, bagaille, mon frère, ok? Bon Dieu, bagaille. Où est Haïtien qui est dans la diaspora? Moun qui sont dans le collège, premier jeune qui sont dans le collège, qui fait commencer le travail, il va pas accepter 5 000 dollars non compagnie. Il va pas payer mortgage, il va pas payer bill, il va pas payer ça, il est en anglais, student loan. Et l'argent qu'il prêtait pour payer l'école côté de l'école là. Et l'on va à l'école aux États-Unis, pendant 4 ans l'école là, l'université qui est moins chère, c'est 40 000 dollars américains qu'on paye par an. Quand je dis qu'un mec qui fait master, une femme qui fait master aux États-Unis, on fait entre 80 000 et 100 millions de dollars américains par an. Donc, on master. On peut faire plus toujours. Donc, ça veut dire que bon, c'est une opportunité qui existe. Et tout ça, ouais, nous ne pouvons pas discuter de bail. Anaphobopolis, je ne pas discuter de bail sérieux. Qui serait les Anaphobopolis? Anaphobopolis, là, sont des gens qui croient dans deux idéologies politiques contemporaines. Première idéologie politique contemporaine qui est anarcho-populiste quoi là-dedans, et c'est moi qui ai inventé mon ça pour faciliter haïtien comprendre. Première idéologie c'est l'anarchisme. Moun qui croit dans idéologie ça, il pas croit dans constitution, il pas croit dans la loi, pas croit dans principe et norme. Ça qui la loi c'est ça le dit jour bilan par exemple jodi a me décidé si le dog est passeport étranger, me dit gain passeport étranger. Mais pas ca prouver ça. Est-ce que si le dog est passeport étranger? Absolument non, mon cher. Depuis que vous avez perdu l'élection, ou bien, vous n'êtes pas d'accord avec vous, mais vous avez à peu près 11 bagailles que vous avez. Vous n'êtes pas sur l'étranger, vous voler l'argent de l'État, vous faites des actes sous fond, vous tuez vous, vous faites massacre, la justice bien question pour vous, vous sans honte, vous sous-sous, vous faites massif, vous faites coup d'État, vous faites ma coupe, vous défendez l'impérialisme, vous faites apprenti dictateur, vous venez blanc d'ailleurs, vous ne travaillez pas pour peuple. Ou ces diasporas qui ne sont pas rentrés menacés la vie. Nous sommes là. Non, mais regardez. Allez. Ah là, bon, où est-ce que le raquette arrive, le raquette disait, mais après, c'est là. Faut parler une prochaine fois encore. Mais bon, je demande deux bagailles. Il y a des gens qui suivent là, qui ont besoin qu'on ait deux, trois éléments d'information. Stanley, est-ce que vous pensez que derrière ordinateur, il est facile pour qu'on la réalité politique haïtienne, qui le Stanley a décidé de rentrer dans le pays, vient prendre tout risque, tout l'autre monde a pris, parce que des ordinateurs là, monsieur, c'est confortable. Bon, tout élément qu'on observe avec eux, ce n'est pas des ordinateurs qui prennent. Non, pas des ordinateurs devant nous là, même. Non, je te parle de la réalité politique. Est-ce que
Vous sortez fait 5 ans, ou 5 ans, Matéli était pouvoir pour. Vous faites 5 ans Matéli, ou pas jamais débarquer là, comme si m'a dit, ou pas vivre, ou pas vivre la saline, ou pas vivre misère mounio dans Cité Soleil. Comme si, tandis que, des ordinateurs, tu connais le pays, tu voyages partout, toutes les sections communales et les milieux où. Est-ce que nous avons espéré, sous Jovenel là, comme c'est pouvoir, ça va faire 10 ans sous pouvoir, est-ce que nous avons nous? Permettez-moi de répondre à deux questions. Ça. Est-ce que nous avons venu à Haïti? Est-ce que nous avons venu là? Militer à terre là? Ok, bon, répondre à la première question. Toutes données que l'autorité de l'État servit avec eux, secteur privé, société civile et monde qui n'a pas peuple là, c'est donné pour. Et dans la base, et dans les journalistes, c'est le computer pour moi. Donc, données computer, ça veut dire que nous. Donc, je te parle de la réalité du terrain. Et rapport qui n'a un classement de corruption. Rapport Nations Unies. Non, corruption, je vais te lire. C'est la corruption, je vais te lire. Stanley, qui est gagné là, sous terrain là, nous vivons à terre là. Ma fille, pour nous, pas le même. Nous, quelque soit donné pour utiliser, c'est le computer à voile. C'est ça la mondialisation. Ou si tu as son computer, ou bien plus impact. Ou même qui sont computer à qui ne sont pas sous computer. Non, mais données à fois, elles prennent souterrain et puis pour mettre l'ordinateur. Faut aller chercher données et pour mettre sous ordinateur. Est-ce que nous sommes montés sous signal FM, bon donné, m'baba et qui passe ça? D'ailleurs, c'est une raison. Non, c'est ça, m'dou, oui. Faut aller chercher données à souterrain parce que données ne peuvent pas être sous ordinateur comme ça. C'est données à voir le prendre et pour mettre sous ordinateur. Qu'on y a l'accessible à tout le monde. Les m'a parlé sous signal. 98% auditeurs signalent, demandent de côté Stanley Lembala. Parce que nous, nous sommes la réalité. La première bagaille. Deuxième bagaille, qui est dans le monde. Bon, moi, je suis le président Jovenel de temps en temps. Et le président Jovenel dit Stanley, mon chef d'armement là. Je dis le président qui peut ouvrir mal. Il y a en fonction des compétences et capacités, moi, les objectifs que le président vient. Parce que l'ordre à l'entrée du travail en président. Comme qui s'accompagne le président, qui sa président veut réaliser. Il y a, en fonction de sa président gagne comme objectif et comment le balayer. Donc, il y a ma discuté avec le président, si le président est d'accord, et puis moi-même, je suis d'accord, et puis nous en temps. Mais ça va pas tout ça. Très bien. Et panel du verger, Mounou? Ah, pas dernière fois, pardon. Panel du verger, monsieur Mounou? Bon, son monde comme si nous faisions interaction sur Internet, mais on ne s'est jamais rencontré. Ah, ok. On s'est jamais rencontré. Ok. Nous faisons interaction. Parce que quand il y a une database, diaspora et database, tout le monde qui est dans la politique, secteur privé, société civile en Haïti, donc nous sommes qui est dans une database en matière d'haïtien, sur l'étranger dans le pays. Il y a un monde qui ne connaît pas. Vous ne pas. Allô? Allô? Et Grégory, vous prenez deux mouns sur le bord là. Il y a deux mouns sur le bord là. Il y a un parler, il y a un ouais, vous prenez deux mouns, non, mais il monte sur le bord là, Grégory. M'bête du Stanley. Allô? Grégory, m'bête du Stanley. Son l'autre moun qui est sur le bord là. Son l'autre monde qui est sous bord là. Gon dit que dit comme ça et Stanley a juste Afghanistan là Haïti doit avoir Stanley dégage au faut tirer les peuples là nous. Et bon, en tout cas merci un peu le Siméon déjà là. Et non bah sexe. Et est-ce que ma prochaine Stanley pour me dire au revoir ou bien c'est une baguette de jeune ni voilà. Et merci un peu tout le monde qui a fait 10 heures. Stanley là, on seulement dit au revoir. Et Stanley, nous perdons Stanley. Bon, mes amis, je suis content ensemble avec nous à ce là. Il y a des bons bagages que nous avons, il y a des bonnes informations que nous avons. Et
en tout cas le sexe. Stanley là, bon petit au revoir. Stanley. Oui, Stanley, et on a pour rendez-vous semaine prochaine encore parce que tellement gain des questions, grand pile monde qui a questionné mais on grain bagarre mouyo dit intéressant. M'pa connais si c'est par le patriotisme, mais mouyo dit Afghanistan loin, Haïti puis près font coup de pied au terrain mais wo en studio dans Signal FM. On t'attend avec impatience Stanley. À bientôt, bonne nuit, merci. Bon, c'est moi pour remercier avant m'aller, m'aimer dit auditeur. Ça que je vais continuer la discussion avec moi, vous pouvez checker moi sur Twitter, @@01, ou bien @@01, ou bien sur page publique, ou sur Facebook, et on va continuer la discussion. Merci beaucoup, Henri. Nous venons pour nous parler de transition, mais nous allons. Non, on a fait ça avant 7 février, c'est sûr. OK. Kemela, à bientôt. OK. Bonne nuit tout le monde. Guerrier Henri Grégory Fouché. Ouais. Paul à palais.com.